c'est haut. Vous pouvez continuer, maître. Merci, monsieur le président. Honorable membre de la cour du tribunal, pardon. Mon colonel. Oui. J'espère que vous avez profité de cette pause pour vous restaurer. Un peu. Merci. Alors, mon colonel, on va continuer avec notre fil de questions. Ici, dans cette salle, il a été soutenu par l'accusé C.C. Raphaël Haba que son patron n'a ni besoin de télévision, ni besoin de radio, qu'il avait la possibilité de communiquer avec les étoiles, que c'était un prédicateur. Mais selon vous, est-ce qu'un prédicateur n'est pas un charlatan? Cela veut dire Karamoko. Pas Karamoko, parce que Karamoko, ce n'est pas les étoiles. Mmh. Karamoko, c'est des versets coraniques. C'est l'utilisation du Coran pour, si vous voulez, satisfaire ses clients. Mais quelqu'un qui a la possibilité de prédire l'avenir, selon vous, ce n'est pas un charlatan de vous dire ce qui va arriver demain? Donc c'est un charlatan. C'est un charlatan? Oui. Alors, est-ce qu'un charlatan... Parce que vous savez, c'est une infraction à la loi pénale. Est-ce que vous le savez? Non. Alors, je vous apprends que c'est un délit. Le fait d'être charlatan en République de Guinée constitue un délit. C'est lui qui a la possibilité de vous dire demain vous serez tel, commet un délit. Vous comprenez? Oui. Alors, mon colonel, est-ce que celui-là qui est versé dans une telle pratique ne serait pas un individu capable de vouloir tromper l'intelligence, la religion de ce tribunal qui est en face de vous? Est-ce qu'il ne serait pas tenté de vouloir tromper l'intelligence, la religion de ce tribunal? Est-ce qu'il hésitera une seconde à le faire? Il ne va jamais, ça, il ne va pas hésiter à le faire. Merci. Bon, colonel. Alors, est-ce que vous savez qu'une infraction a des éléments constitutifs? Non. Vous savez? Non. On ne vous a jamais appris c'est quoi une infraction? Jamais. Bon, ce que je connais, une infraction de ce que tu as gâté. Ça, c'est basique, hein? Ce que vous avez gâté, qui est contraire à la loi. Voilà. C'est ça, non? C'est ça. Alors, lorsque vous commettez une infraction à la loi pénale, je vous apprends qu'il y a des éléments constitutifs. Puisque là, nous sommes dans une salle d'audience. Et malgré que certains pensent que ce n'est pas le lieu d'abreuvage, ce n'est pas le lieu d'apprentissage, ce qui est tout à fait contradictoire. Une salle d'audience, ça sert à éduquer, à apprendre à cette population néophyte
qui n'a pas la possibilité d'accéder à nos codes, des questions, de comprendre l'intérieur de ces codes. D'accord ? C'est le lieu et l'occasion pour vous d'apprendre c'est quoi poser une infraction des questions, constitutive. Alors, savez-vous que en matière criminelle, il y a des infractions, il y a des éléments constitutifs ? Vous le savez ? Oui. Alors, lorsqu'on poursuit quelqu'un pour une infraction telle que le meurtre, savez-vous qu'il faut obligatoirement un corps ? Vous êtes d'accord avec moi ? Je suis d'accord avec vous. Qu'il faut un corps ? Oui. Est-ce que vous savez également que l'on doit avoir la possibilité de déterminer la cause qui a conduit cette personne à la mort? Vous le savez? Si. Vous le savez également? Oui. Ensuite, est-ce que vous savez que l'on doit déterminer l'intention coupable, c'est-à-dire que vous aviez eu la volonté ou, si vous voulez, l'intention de donner la mort? Vous le savez également? Si. Est-ce que vous savez que pour déterminer qu'il y a eu meurtre, est-ce que vous savez que l'intéressé, celui contre lequel on articule, d'accord? Oui. Où on impute la responsabilité d'avoir commis cette infraction, on doit prouver que cette personne avait effectivement l'intention de donner la mort. Est-ce que vous le savez? Absolument. Alors, mon colonel, est-ce qu'une seule fois, à la date du 28 septembre, vous avez pris votre arme, parce qu'on vous a demandé si vous étiez armé, qui est d'ailleurs une question insensée, puisque vous êtes militaire depuis 85, vous avez forcément une dotation en armes, n'est-ce pas? Bien sûr. Alors, est-ce que ce jour, vous avez pris votre arme et tiré sur un citoyen guinéen? Non, plus grand jamais. Est-ce qu'on vous a présenté l'étui de votre balle ou est-ce qu'on vous a présenté un seul corps qui aurait été, si vous voulez, victime de votre coup de feu? Est-ce qu'il y a un seul corps qu'on vous a présenté? Non. Des documents attestant que c'est par votre arme que telle personne a trouvé la mort. Est-ce qu'on vous a montré un seul corps dans ce sens? Personne. Personne. C'est bien. Mon colonel, vous confirmez n'avoir jamais mis pied au stade du 28 septembre, à la date du 28 septembre 2009. Je confirme. Mais ce qui est paradoxal, mon colonel, un de vos co-accusés, à la personne du commandant Aboubakar Diakité, alias Toumba, dans l'ordonnance qui vous renvoie devant ce tribunal, il est indiqué que c'est suivant son témoignage ainsi que divers témoignages qu'on vous renvoie devant ce tribunal. Est-ce que vous comprenez cet état de fait? Non. Est-ce que vous pouvez comprendre que vous soyez traduit devant ce tribunal, cet auguste tribunal, parce que M. alias Toumba aurait témoigné contre vous. Est-ce que vous comprenez cela? Non. Parce qu'il est clairement indiqué dans l'ordonnance de renvoi qui saisit ce tribunal criminel qu'il y a eu divers témoignages sans citer, une fois encore, sans citer l'identité de ces témoins. Mais on se limite à dire qu'il y a eu des témoignages. Et à la fin, on dit que
même le commandant Aboubacar Diakité aurait témoigné contre vous. Est-ce que cela vous paraît un travail sérieux? Non. Ce n'est donc pas... S'il vous plaît, maître, retirez ce mot, s'il vous plaît. Je retire le mot. Maître, une fois de plus, soyez professionnel. Monsieur le Président, s'il vous plaît, l'ordonnance de renvoi, s'il vous plaît, est une décision de justice. Oui, et s'il vous plaît, laissez-moi parler, vous me laissez parler. L'ordonnance de renvoi est une décision de justice. Comme toute autre décision de justice, pour l'attaquer, il y a les voies de recours. Ce n'est pas avec des termes, ce n'est pas avec des qualificatifs qu'on attaque une ordonnance de renvoi ni une autre décision de justice. Si vous avez des griefs ou si vous estimez que le travail a été très mal fait, vous n'avez qu'à exercer les voies de recours. Ce n'est pas dans une salle d'audience, à la face du monde, que vous allez traiter une ordonnance de renvoi comme vous êtes en train de le faire. C'est pourquoi je vous dis de retirer ce mot. J'ai retiré le mot, monsieur le Président. Et surtout, abandonnez ces pistes-là. Vous aimez trop prendre des pistes vraiment qui ne sont pas les bonnes. Abandonnez ces pistes-là. C'est pourquoi je vous dis, posez des questions. Monsieur le Président, ça fait la troisième fois. Oui, mais je ne vous comprends pas, monsieur le Président. Ça fait la troisième fois. C'est pourquoi je vous le dis, hein. Parce que ça fait la troisième fois. Oui, mais vous le dites devant tout le monde. Ce n'est pas une discussion que j'engage avec vous. C'est loin d'une discussion, hein. Ce que je suis en train de dire, ça, vous êtes en train de le faire à la face du monde. Et vous savez que ce n'est pas normal. Au lieu de le faire et de le retirer, arrêtez de le faire. Pourquoi je dis d'être professionnel? Monsieur le Président, nous savons comment attaquer une décision de justice. Je suis très jeune encore dans cette profession, mais je reste professionnel. Vous le dis, hein, parce que ce que vous faites, c'est loin du professionnalisme. Si c'était un profane, on pouvait comprendre. Un profane peut le dire, là, on peut lui demander de ne plus le dire. Mais en tant que professionnel, on sait qu'on ne doit pas le faire. Voilà, il y a les moyens pour attaquer une décision de justice. C'est cette ordonnance qui vous saisit. Vous étiez en train de dire tout de suite... C'est cette ordonnance qui vous saisit. Ne discutez pas cela. Ce n'est nullement critiqué. Ne discutez pas cela, s'il vous plaît. Ne discutez pas cela. L'ordonnance qui saisit ce tribunal est une décision de justice. Et la décision de justice, il y a les voies de recours. Il y a les voies de recours pour l'attaquer. On ne peut pas dire que ce n'est pas un travail qui a été sérieux. Ça, ce n'est pas un avocat qui doit le dire. Monsieur le Président, si ce n'est pas un travail qui n'a pas été sérieux, s'il vous plaît, il y a les voies de recours. Il faut qu'on se comprenne sur ça. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais continuer. Merci. Vous n'avez pas la parole, hein. Monsieur le Président... Je vais poursuivre. Mon colonel. Oui. Alors, je vais vous poser une question. Où se trouvait votre siège? Question qui va susciter d'autres, bien sûr. Siège. Le siège de votre département. C'était au sein du régiment, au camp Alpha. À la présidence, d'alors. Oui. Alors, le camp Alpha était commandé par qui? Qui en était... Le commandant du camp, qui est-ce qui gérait le camp à l'époque? À l'époque, le camp était géré par paix à son âme, le colonel Diamankan. Alors,
Est-ce que s'il y a eu, comme l'aurait soutenu un des co-accusés, qu'il y avait des recrues qui étaient présents au camp, d'accord? On dit qu'il y avait des nouvelles recrues qui étaient présentes au camp. Est-ce que s'il y a une responsabilité dans la présence de ces personnes, de ces individus, jusqu'à preuve contraire, on n'a pas encore eu de preuve, est-ce que la responsabilité vous incombe, mon colonel? Non. Est-ce que vous étiez le commandant du camp Alpha Yaya? Je n'ai jamais été le commandant du camp Alpha Yaya. Sur la question de ces recrues, vu que c'est vous qui comparaissez aujourd'hui devant ce tribunal, est-ce qu'on peut vous imputer la responsabilité de ces recrues du moment où vous n'étiez pas commandant du camp Alpha Yaya, vous n'étiez pas responsable de recrutement au sein du gouvernement, parce que vous n'étiez pas ministre de la Défense quand même. Est-ce qu'on peut vous imputer la responsabilité de ces recrues? Selon vous, est-ce que vous êtes responsable des recrues? Non. Pas du tout? Pas du tout. Hmm.